On voit beaucoup de merde, donc ça on peut vraiment aller le voir en toute confiance. Voilà. Alors comme vous êtes un vrai professionnel et Tordesco, là je vais vous faire une interview conseil de pro. Quel est le film qui vous fait toujours pleurer? Voleur de bicyclette. Quel est le film que vous n'auriez jamais dû voir? Quelqu'un de mien, peut-être. Le film qui vous fait rire à chaque fois? Un film d'un auteur qui est un peu oublié, je trouve, en France, qui est Tati. Oui, Tati me fait rire toujours. Quel est le film idéal pour avoir envie de faire des films? Toujours un voleur de bicyclette. Ouais. Il faut dire que Ettore n'a pas vu mon film, donc ça le conforte aussi dans des anciennes réponses. Oui, il faut que tu lui donnes une cassette, parce que sinon on va répondre alors, ça. Quand on s'était vu, nous, la dernière fois, il m'a fait une dédicace, Ettore, c'était à nulle part ailleurs. Ah, dis-moi, qu'est-ce que j'ai écrit? Au futur grand metteur en scène, tous mes souhaits, bon travail et grand succès. C'était gentil. Ouais. Hein. Fais voir la caméra, Laurent. Quel est le meilleur film que vous ayez jamais vu? Mon premier. Je l'ai vu quand j'avais 4 ans, dans mon pays, qui était un petit village du sud, où il n'y a pas le cinéma, mais une fois par année, arrivait le cinéma, un camion avec le cinéma, on projetait le film sur un drap, un panneau. Cinéma Paradiso. Mon pays, c'est un pays de montagne, il y a le vent, donc l'écran bougeait tout le temps, donc je me rappelle de cette tempête. C'était un film comique de Stanley Olio, Stan Laurel et Oliver Hardy, et c'était Fra Diavolo. Ah oui. Et c'est le film que je me rappelle mieux des autres, grâce à ce vent, grâce à ses premières... Et la scène des plumes aussi. Spectacles. Quel est le dernier film qui vous a donné envie de continuer à faire du cinéma? Les Sampa, je crois, je ne sais pas si est sorti, de Giordana, Tullio Giordana, I Cento Pazzi. C'est un film sur la mafia de Sicilia, un film très moral, très fort, j'ai beaucoup aimé, oui. Quel est le film que vous auriez aimé réaliser et que vous n'avez pas réalisé? Peut-être Le Fanfaron, oui. Ouais. Ouais. C'était bien quand même. Hein. Le film que vous aimeriez montrer à vos enfants en leur disant voilà, le cinéma c'est ça? Bah, sûrement, je me répète, sûrement Charlot, sûrement Voleur de bicyclette. Je suis un grand-père, peut-être un peu ennuyant, mais. Je répète ce que je crois. Ouais. Le film que vous avez vu le plus souvent? Assurément pas l'un de mes films, car je les vois très rarement. Mais sûrement j'ai vu Le Dictateur, je l'ai vu une dizaine de fois. Oui. Ouais. Le film que vous avez envie de voir, là, vous êtes impatient de voir maintenant, le film qui n'est pas encore sorti, que vous avez... Son film. Ettore Scola, Gentili Roma, sorti le 7 avril. Alors, il y a un problème quand même, Ettore, c'est que vos films sont très difficiles à trouver en DVD ou en VHS. Et ça, il faut vraiment vous en occuper parce que tous ces jeunes-là... Il faut faire un coffret. Il faut qu'ils voient ces films-là, non? Ouais. Comment ça se fait? Ah oui. Pourquoi on ne les voit pas? Mais ce sont des voies de distribution que je ne connais pas tellement. Mais à fur et à mesure sortent, je sais. J'ai fait des interviews pour le DVD de Nous ont tant aimé, d'Affreuse les méchants, Le Bal. Donc, ils vont sortir. Soyez patients. Soyez patients et achetez-les quand ça sort. Merci Ettore.